CA du centre de loisirs de la MJC. Je vous propose un jeu de dessin collectif. Chaque personne va participer à un dessin et cela donne des choses plutôt originales. Ici, avec des personnages humains. Ici, avec des animaux. Pour faire l'activité, vous avez besoin d'un crayon, d'une gomme, d'un ciseau et d'une feuille. Il faut tout d'abord partager la feuille en deux. Pour cela, vous la pliez comme ceci et vous coupez le long. Et cela vous donne des petites languettes. Vous devez plier la languette une fois, comme ceci, et encore une autre fois, deux fois. Ce qui vous donne quatre parties sur la feuille. La première personne qui joue va dessiner la tête du personnage ou de l'animal. Il va laisser apparaître le cou, comme ceci. Il va plier la feuille. La deuxième personne ne sait pas la tête qui a été dessinée, mais il va devoir quand même dessiner un torse de son choix. Soit le torse d'une personne humaine, soit le haut du corps d'un animal. Des pattes, des ailes, comme il a envie. Ensuite, il replie à nouveau, en laissant apparaître à nouveau le bas du torse. La troisième personne va, elle, dessiner les jambes du personnage, en laissant apparaître le bas des jambes. On plie à nouveau. La dernière personne qui joue va donc dessiner les pieds du personnage. C'est pour cela qu'ici, nous avons une tête de lapin avec des ailes, quatre pattes et des petits pieds. Ici, nous avons un bout de fille avec une chemise, une jupe et des sortes de bottes. Vous pouvez bien entendu prendre des feuilles plus petites et donner des noms à vos créations. Jouez bien !